Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien, moi ça va super. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, une journée de mon assiette spéciale automne. Donc je commence par préparer le porridge que vous êtes en train de voir. Moi j'adore les porridges, surtout en hiver et en automne comme en ce moment. Je sais qu'il y a des gens qui n'aiment pas ça, mais moi c'est mon petit déjeuner préféré quand il fait froid ou quand il commence à faire froid comme en ce moment. Et ensuite, je vais l'accompagner des mini pancakes à la banane, super sympa. Je vous laisserai les mesures et la recette en barre d'infos, donc n'hésitez pas à aller faire un tour. Là, je vais couper une banane en rondelles comme ceci pour mettre dans ma pâte à pancakes que je viens de faire pour faire les mini pancakes à la banane. Bon là j'ai bien mélangé mes rondelles de banane avec la pâte à crêpes. Je viens avec une poêle à crêpes que je beurre un tout petit peu et je viens disposer mes rondelles de banane comme ceci. Vous voyez c'est super simple, on laisse cuire une minute, ensuite on les retourne et on laisse une minute de l'autre côté et le tour est joué. C'est super facile à faire et c'est très très rapide également. J'avais pas mis du sucre, mais c'est sucré comme ça, la banane sucre bien les mini pancakes. Là, avec la pâte qui me reste, j'ai rajouté 2 cuillères à soupe de sucre pour la sucrer un peu parce que comme je vous ai dit avant, je l'avais pas fait. Et je termine avec des pancakes classiques comme ça pour pas gâcher la pâte qui me restait. Donc voilà, et le résultat est comme ça. Super bon, quelque chose de très rapide, facile à faire, mais délicieux. Donc une fois que j'ai fini de faire mes pancakes, je viens ensuite me servir du porridge que j'ai laissé tiédir un tout petit peu. Et je viens disposer mes mini pancakes comme ça. Je rajoute 2 cuillères à café de graines de chia. Je viens avec des pépites de chocolat aussi sur le porridge tiède, ça fond un peu donc c'est super bon. Et j'ai mis un peu de miel ou si vous voulez vous pouvez mettre du sirop d'érable, ce que vous voulez, ça va être aussi très très bon. Et bah, je finis par une tasse de café que j'ai saupoudré de la noix de muscade. Donc voilà. Petit déjeuner très très simple mais chaud et réconfortant et moi c'est tout ce que j'aime en automne et en hiver. Donc voilà pour le petit déjeuner. Et pour le déjeuner, j'ai préparé un gratin que moi j'appelle un gratin d'automne avec de la patate douce, des pommes de terre et de la courge butternut. Je vous laisserai pareil la recette en barre d'infos. Je viens éplucher les pommes de terre, la patate douce. Ensuite, bah, je vais faire cuire tout ça à la vapeur à peu près 20 minutes. Have we got our lines crossed? We're wasting time on stuff that doesn't really matter while wishing for something better. I try to fix things that weren't broken, misunderstandings and words unspoken. We fall apart. Bon, 20 minutes plus tard, je viens regarder si tout est bien cuit. Et pour savoir, il suffit de piquer une fourchette comme vous avez vu. Et après, si ça enfonce bien, c'est que c'est bon. Et moi, ce que je fais, c'est que je viens tout mettre dans un plat. Et ensuite, je viens avec le mélange œufs, crème liquide, gruyère râpée et les épices. Verser tout ça dessus et après j'enfourne. C'est plus simple, c'est plus rapide et puis le résultat je trouve que c'est le même que si j'avais cuit tout le monde ensemble. Donc du coup je fais ça comme ça. Et
Une fois que j'ai bien disposé le tout dans le plat, moi j'aime bien venir saupoudrer un peu de noix de muscade par-dessus et ensuite j'enfourne pour 20 minutes. Au bout de 10 minutes de cuisson, j'ai rajouté 2 tranches de gouda pour que ça gratine mieux, en tout cas moi j'aime mieux. Et le résultat est comme ceci, ça sent super bon et c'est un gratin, je trouve, facile à faire, rapide également et vraiment délicieux. Moi j'ai servi ça avec de la salade, après ça dépend si vous mangez de la viande ou quoi, vous pouvez aussi servir avec de la viande. Moi j'en consomme pas et là j'avais pas envie de poisson, donc du coup j'ai mangé ça avec une salade verte, c'était super bon et c'était vraiment... réconfortant, j'ai envie de dire, et ça m'a bien calé. Donc voilà pour le déjeuner. Et pour le goûter, vers 4h30, j'ai décidé de préparer un fondant au chocolat. C'est une recette que j'adore parce qu'elle est facile et rapide à faire. Et je trouve que ça y va vraiment bien avec cette saison d'automne. Donc voilà, j'ai décidé de préparer ce petit fondant. Je vous laisserai pareil la recette en barre d'infos. Donc n'hésitez pas à aller jeter un œil si ça vous intéresse. C'est une recette très intéressante parce que elle peut servir de mille et une façons et pour n'importe quelle occasion. Je trouve qu'elle est vraiment adaptable à plusieurs formats. Vous pouvez mettre dans ce moule là comme moi je l'ai fait, ou alors dans des trucs, dans des petits trucs individuels, et ça y va super bien. Vous servez ça avec simplement du sucre glace, de la compote ou de la crème pâtissière, ou alors même nature sans rien, ça passe super bien aussi. C'est un gâteau qui est justement qui porte bien son nom parce qu'il est très 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 moelleux. Et quand c'est un gâteau n'est pas sec, ça se mange tout seul. Donc regardez, vous voyez à l'intérieur comment il est. Et moi ici je l'ai servi avec des mini kiwis, je ne sais pas si vous connaissez, et je ne sais même pas comment on peut dire ça, parce que je ne sais pas quelle variété de kiwis c'est, si c'est du kiwi ou en tout cas c'est de la famille des kiwis. On dirait des petites tomates vertes, c'est concentré en sucre, c'est super bon, le mélange était juste top. Vous voyez comment il est? Super sympa. C'est parti pour la préparation du dîner. Je vais préparer ces tortillas pockets. Je pense que ça se dit comme ça. Donc je vais utiliser moi ici de l'haricot rouge, un oignon rouge, de la carotte et un panais. Moi le panais en automne et en hiver je peux consommer, mais matin, midi et soir j'adore ça. C'est un légume que j'aime beaucoup. J'adore cette saveur, j'adore ce goût. Et là, je vais le faire griller à la poêle avec de la carotte. Donc en premier, je les ai épluchées. Là, je les coupe en rondelles. Et après, en mini cubes, si on peut dire ça comme ça. Et je vais les faire griller à la poêle avec un peu d'huile d'olive et quelques épices. Je vous laisserai la recette en barre d'infos. Donc si ça vous intéresse de refaire cette recette, allez voir dans la barre d'infos et vous allez trouver. Vous voyez, je fais d'abord revenir la carotte parce que ça met plus de temps à cuire. Quand j'arrive à ce stade-là, je viens avec le panais, je mélange un petit coup et ensuite je sale, je poivre et je couvre pour à peu près 5 minutes. Bon, 5 minutes plus tard, les légumes sont grillés comme ceci. Je viens avec de l'herbe de Provence et du paprika, car j'aime beaucoup aussi ces deux épices-là. Je mélange un peu et je laisse encore revenir pour 3 minutes couvert. Et maintenant, c'est prêt. Je vais réserver et je vais préparer. Je vais continuer de préparer le reste des ingrédients. Bon, j'ai réservé mes légumes grillés et là je viens faire mon oignon caramélisé dans une poêle avec un peu de beurre. Je viens rajouter mes rondelles d'oignon comme ceci et je laisse mijoter un petit peu. Et quand on arrive à ce stade là,
je viens avec 4 cuillères à soupe de sucre. Je mélange bien et ensuite je laisse cuire pour à peu près 15 minutes. Il y a des gens qui laissent 5 minutes, 10 minutes ou même plus. Mais nous, 15 minutes, c'est juste bien pour qu'on puisse digérer correctement. Si je laisse moins, on va moins digérer. Donc c'est pour ça que j'ai laissé comme ça. Et le résultat final est comme ceci. Et de cette façon-là, il n'y a aucun problème pour nous. Donc pour les haricots, je viens les mettre dans une petite casserole juste pour chauffer en fait. Je sale, je poivre et je laisse 4 minutes sur feu doux. Pas besoin de plus parce que c'est pas pour les cuire mais pour les chauffer. Donc 3-4 minutes c'est assez. Et je finis ma préparation par ces 4 petits bâtonnets de poisson pané que je viens faire cuire dans une poêle. Et après, eh bien, je viens prendre mes tortillas pocket et j'ai plus qu'à les garnir. Bon, pour la garniture des pockets, vous faites comme vous voulez, chacun fait comme il veut, selon ce qu'il mange et selon voilà, ce qu'il consomme, quoi. Moi, je consomme pas de viande, comme je vous ai dit, donc j'ai fait de la façon dont je peux manger. Et ici, pour ce premier, j'ai mis de la salade, comme vous avez vu, du fromage cheddar, les haricots rouges, les légumes grillés. Je finis par les oignons caramélisés et des feuilles de salade. Pour ce deuxième, par exemple, j'ai mis des bâtonnets de poisson pané, les haricots rouges, les légumes grillés. En fait, j'intercale les couches et vous faites vraiment comme bon vous semble. Et comme j'ai dit, chacun fait comme il veut. Et par ici, c'est comme ça que ça s'est passé. Et c'est de cette façon-là qu'on mange, car on consomme pas de viande. Mais ça, c'est pas grave. Chacun fait comme il veut chez soi et comme il le sent. Et voilà, en fait, c'était pour vous donner plutôt des idées. Ensuite, garniture, vous faites comme vous voulez. Moi, j'ai fait comme ça, mais vous n'êtes pas obligé de faire comme moi. Je vais quand même vous laisser la recette en barre d'infos, mais vous personnaliser. Pour le dessert de ce soir, j'ai fait une petite verrine à base de yaourt végétal et ce coulis de fruits rouges. Je l'ai pas fait moi-même, mais je l'ai acheté déjà tout prêt. Et donc, j'ai fait ça comme ça. J'ai saupoudré avec du granola et puis hop, le tour était joué. C'était super bon. Donc voilà les amis, cette vidéo est maintenant terminée. J'espère vraiment qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, partager, vous abonner à ma chaîne comme d'habitude. Et nous, on se retrouve dans une prochaine vidéo. Bye! And don't pretend.